On s'explique. On pose carte sur table là maintenant. 1200 pouces bleus, je vous sors la vidéo mercredi. Oh, tu lis quoi là? Attends. Oh, mise au point quand même. Oh. 2800. 2800 likes. Eh, vous êtes des barjots les mecs. Eh, c'est un truc de fou. Je surkiffe votre engouement. Quand vous mettez des likes et tout, c'est super cool les mecs, c'est super gentil. Alors vous savez quoi, si cette vidéo atteint 2000 likes dimanche, je vous sors une vidéo, ok? Parce que là les mecs, on enchaîne d'affilée. Du coup 2000 likes dimanche 18h34, vidéo, super les mecs. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à me dire en commentaire ce que vous voulez voir. Je fais super vite pour pas vous déranger. Bonne vidéo les mecs, merci à tous de me suivre et go les 40 000 abonnés, c'est parti, bonne vidéo. Mais ouais, comme tu dis, c'est super cher en vrai. À trouver, c'est une galère. Mais je crois que j'ai passé mon BSR sur ça. C'était le noir, ah ouais. Ouais, c'est un peu pareil. Enfin, je crois que ça, c'était pas pareil, le guidon et tout. Je sais même pas comment ça se démarre. Faut freiner, non? Freiner, ouais. Freiner celui-là? Un des deux. N'importe. Et t'appuies là? Ouais. Oh, c'est lourd. Ouais. Wouh. Oh, c'est trop cool. Attends, par contre. Vu comment il pleut, frère. Je vais y aller mollo mollo. Oh, et ça glisse de fou. Wouah. En vrai c'est cool, mais par contre ça glisse. Oh, la patinoire. Et tu m'étonnes qu'ils bombardaient pas derrière moi. C'est la patinoire, frère. Non, c'est un bon, ce tableau. C'est un bon. Oh, en vrai c'est cool un scout, hein. Oh, c'est trop cool. Ah, en plus il y a... Oh ouais, parfait, il y a le petit compteur et tout. Ah, c'est propre. Oh, par contre, attends, je vais tellement pas bombarder, frère. C'est une patinoire. Tu m'étonnes qu'ils me suivaient pas derrière. Oh, je le comprends carrément. C'est intenable. Ouais, j'y vais vraiment, mais tellement mollo. Ça glisse de fou, c'est pas le mien. Je vais éviter de lui abîmer, mais vas-y, on va quand même essayer de faire une petite pointe là sur la ligne. Allez, on a le petit compteur. Parfait. On va voir combien on prend. C'est parti. 60. Il m'a dit que je pouvais accélérer, donc je pense qu'il prend 70 facile. En vrai c'est cool, hey, t'es posé, hein. Imagine je ferais des vidéos comme ça. Salut les mecs, petite vidéo avec le booster. En vrai il est grave propre. Par contre c'est cool, t'as pas rétrogradé les freins. Hey, ils freinent de fou. Hey, ils freinent bien. Non, c'est un bon scout, hein. Wesh. Oh non, c'est cool ça, en vrai c'est cool. En vrai, à lever, les gens ils disent que c'est simple, coup de cul et tout, tu t'envoles. Franchement un bon scout comme ça, tu vois, c'est ce que j'aurais pris moi. Le scout il est clean. J'ai pas eu déréglé son rétro, mais je vois rien. Ah non, c'est clean de fou. Ah, j'aime bien, merci à l'abo de m'avoir fait confiance. Mais en vrai, je pense que, de toute façon, hey, comme j'ai dit, les abos, ça devient mes potes. Donc lui, on va rerouler avec lui, je pense. Wow. Hey, j'y vais mollo de fou. En plus, il y a les mêmes commodos que moi sur la derby. Par contre, ça, c'est trop bien, t'as pas rétrogradé. Hey. Viens, on roule les pieds à terre. Viens. Hey, j'aime trop. Il y a petit clignot, même commodo que moi, c'est pas mal de fou, hein. Par contre, ça glisse de fou. Oui, bip bip. Bip bip. Wouh. Ah, c'est trop bien. Ça tue, hein. Ouais. Ouais. Mais en vrai, c'est cool de fou, hein. Moi je glissais moins là tout à l'heure en moto, je me suis dit, mais toi. Oh. Et tu as changé des trucs dessus ou pas? Ou tu as laissé comme ça? Bah carrément en vrai. Mais là déjà j'ai pris 70 avec sur la ligne droite. Pas mal, hein. Mais c'est tout léger, c'est cool. Tu sais pas combien ça fait de kilos, ça? Je crois que c'est entre 70 et 90. 90, ouais, c'est tout léger, quoi. Mais en vrai il est grave propre. Il y a même pas de rayures limite. C'est juste là, mec. T'es déjà tombé avec? J'ai une fois. Mais en gros je suis pas tombé, je l'ai posé au sol. Ouais. Ça a rien fait comme des gants, en fait, si sèche, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah ça change. En plus, on a les mêmes, hein. Même commodo, tout pareil. Toi, y'a aucune patte de fixation cassée à l'intérieur. Mais ouais, ah ouais, souvent tu vois, putain, les mecs. Et tu m'étonnes, hein, que tu l'as payé cher en vrai. Mais sur mouillé, je peux faire quoi tester? Ah ouais, non, teste même pas, hein. Déjà là, prendre le rond-point, c'est trop chaud. Faut le faire les deux pieds à terre. Bah ouais. En plus, en vrai, ça fait pas masse bruit, hein. Tu aux gens. Ça passe, hein. Ah ouais. Moi je te dis, j'aurais pris ça carrément. Et c'est toi qui t'as rajouté les trucs aux jantes? Non, c'est déjà, c'est d'origine. D'origine. C'est quoi ces petits trucs carbone là? C'est d'origine, c'est les naquets.
cherche les mêmes à l'avant. Ah ouais? Il y a ça aussi carrément pour la clé. Mais j'ai pas les clignotants avant, je les cherche. Bah ouais, je me suis dit, et tu les mets où dans ces cas-là? En gros, il y a deux pattes de fixation que j'ai chez moi. Ça va là, là. Ah ouais, là. Et tu les fixes. Ouais, j'avoue, là, t'as pas de clignotants avant. Mais je crois qu'ils sont pas obligatoires. À l'avant, pas obligatoire, mais à l'arrière. Mais si je disais quoi, en gros, ça fait ça. Et ils restent comme ça? Ouais. Ils clignotent pas? Faut que j'ai les 4 qui clignotent. Ah ouais! En plus, ouais, t'as de la place et tout, là, tu peux caler un truc. Et tu... De base, il y en a, ils ont des plus gros coffres. Mais... Ouais, il y en a, ils mettent des casques et tout à l'intérieur. Mais en vrai, je préfère que c'est comme ça. Et tu mets quoi, du 98 dedans? 95 avec 2 bulles de temps. Et tu fais le mélange toi-même? Bah, en vrai, je préfère mettre un petit peu de temps moi-même, mais. Ouais, on sait jamais. C'est sûr qu'il sert pas. Mais sinon, j'ai des trucs de 9500. Ah ouais, en plus, t'as le compteur, mec, et t'as fait une bonne affaire en vrai. Hein. Les premiers compteurs, genre ceux qui sont d'origine, parce qu'il y a les trucs verts. Et comment savoir si c'est le mal d'origine qui n'a jamais été changé. Il est bleu à l'intérieur et moi j'ai dévissé pour mettre une ampoule. Ouais. Et il est encore bleu à l'intérieur. Ouais, c'est carré. Hein. Je crois qu'il y a un youtubeur, Sergi, je sais pas si tu connais. Ouais, je connais. Je crois qu'il y avait un truc comme ça, non? Ouais, il y avait un noir. Et pourquoi t'as pas pris une 50? Tu... C'est pas mon bail les 50. Si je prends une 50, c'est quitter direct. Ah ouais, tu mets un gros kit dessus. Ouais. Et tu fais combien de bornes du coup avec? Bah franchement je l'ai eu, j'avais 8000. Ouais. J'ai peut-être mis, allez, tous les jours je mets peut-être un plein. Parce que je roule beaucoup aussi, je vais sur les quins. Ouais, tu mets un plein chaque fois. Ouais, je pense 150 km. 150. En vrai ça va hein. Moi avec ça, allez, c'est un record. 180. Genre avec une 50, 180. Ouais. Le... Il y a un pote qui fait même pas 30 km avec 186, t'as pas dit. Ouais, 186 hein. En plus, je roule que en ville limite. Et quand je vais à la pompe, en ce moment j'y vais un peu plus souvent parce que je sors plus. Mais ouais, je pense que ouais, le pot c'est le seul truc que je change. Après, je peux mettre de kit. Autant prendre, garder des thunes et prendre une crosse, tu vois. Bon, les mecs, il va tester ma bécane. Moi, je vais tester son scout. En vrai, on va s'arrêter juste avant. Sinon, après, au pire, attends. J'ai rien à te dire en vrai. C'est première en bas. Après, le point mort, il est entre la 1 et la 2. Je sais, c'est comme le... Logique. Logique. Tu me suis? Allez, c'est parti. Wouh. Ça fait bizarre de voir quelqu'un rouler avec ma moto, tu vois. Un mec, mais en tout cas, ça me fait plaisir de voir un mec rouler sur ma bécane, ça change. Hein. En plus, son scooter, il a v'là de la patate. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mais... Je trouve ça vachement cool. Par contre, ouais, comme il m'a dit, il a un inconvénient, c'est qu'il a pas de clignotant. Enfin, il a des clignotants, mais genre... il a pas de clignotant à l'avant. Et genre, ses clignotants à l'arrière, il clignote pas. Ah oh là là, beau gosse. C'est compliqué de communiquer, je vais essayer de le rattraper. Ouais, là, là. Alors, ça dit quoi? Ça avance. Ouais, ça avance. Attends, que je... En gros, il... Ouais, le point mort, il est super compliqué. Hein. Ah, c'est méga dur. Hein. Tu descends vraiment tout en bas, tu remontes léger. Non, allez, du coup, j'ai fait. Putain, ça fait stylé de voir quelqu'un rouler sur ma moto. Caille de fou, tu l'as là? Non, là tu l'as pas. Tu veux que je te le trouve? Bah, en vrai, mes vitesses elles bug un peu. Attends, c'est comment la béquille? C'est obligé de mettre celle-là? Ouais. Ah, ah ouais, putain, je suis trop con. Attends. Okay. Hop. C'est une boîte 6. Et ça va, t'aimes bien conduire? Bah, non, c'est pas mon style de. Ouais. Je préfère être pépère. Ouais. Ouh. Allez, c'est reparti. Ouais, tu passes devant moi. Au moins, je te filme. Accélère pas trop en vrai. Attends, t'as pas démarré? Ah oui, c'est fou. Ah ouais. Tout le temps quand je suis arrêté. Accélère pas en vrai. Hein. Ouais, ouais. On tourne là-bas. Elle est belle quand même ma bécane. Ah, je préfère quand même ma bécane à un scout. Hein. Même si c'est bien. Ah ouais, c'est vrai que wow, pour rattraper la moto, ça va être un peu compliqué. Ouais, je suis à fond là. En vrai, c'est cool. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéos. Ça peut être cool à faire. Mais bon, là, il fait pas beau, il glisse de fou.
Bip, 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 bip. Ah. Stylé, stylé ma bécane. J'aime bien, j'aime bien. À faire demi-tour là. En vrai c'est stylé un scoot, c'est pépère, t'es posé. Hop, 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 hop. En plus ça va, le mec il est sympa. Donc comme je vous l'ai dit hein, les abos ça devient mes potos. Attends, je sais même pas si on peut faire demi-tour. Ah merde. Ah, putain, j'ai trop froid. Oh, ça braque bien. Ouais, ça braque de fou ça. Ah ouais là fou. Bah vas-y, on retourne où on était là-haut. T'as trouvé le point mort? Tu l'as pas trouvé? Mais il est galère en vrai. Ah si, je suis là. Tu vas faire ça tous les matins? Ah, moi je pourrais pas. Comment caler en 5 ans? Ça va. Bon, j'avoue, c'est compliqué de rouler en 50. Hein. Bon, il avait déjà roulé sur des crosses, du coup, c'est pour ça qu'il a un peu l'habitude. C'est pas du tout pareil. Un scoot et une 50. Lui il dit qu'il préfère un scoot et moi je dis que je préfère ma 50. Bah après on a l'habitude, mais là c'est vrai que t'as une conduite pépère, t'es calé en vrai. Aïe aïe aïe. Stylé. Mais après ouais j'avoue c'est compliqué et tout de savoir rouler de la première fois en 50. Hop, par contre on va y aller mollo. Voilà. Mais en tout cas stylé. Ah, il a peut-être le bug des vitesses. Ouais, c'est normal. Si ça bug, c'est normal. Embraye. Et on va aller là-bas, t'inquiète. Elle le fait souvent, genre faut en ressoulever une pour redescendre après. Hein? Ah, c'est bon? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, c'est carré. C'est bien. Bon, voilà les mecs. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si elle vous aura plu, vous mettez petit pouce bleu. On se dit qu'à quoi? 1000 pouces bleus, on reroule en. On refait une balade. Vas-y, bah 1000 pouces bleus, les mecs, et on va rerouler comme ça. On reste stylé. On se retrouve mercredi. À mercredi, les mecs. Ciao.